Bienvenue à 2 pour 1 de passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Aujourd'hui, on rencontre le comédien Mathieu Baron, qu'on peut voir dans le populaire téléroman Unité 9. Il travaille fort pour faire sa marque en tant que comédien. Il est très loyal, généreux et impliqué avec le club d'hockey Les Différents. Voici donc l'histoire de Mathieu Baron. Mathieu Baron, bienvenue à 2 pour 1 de passion. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Semble-t-il qu'il faudrait peut-être même dire Mathieu Baron, hein? Baron, pas de E, c'est vraiment... Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... OK. Non. Parce que tu as des petites racines italiennes. Des petites, grosses racines ouais. italiennes. Ton père est italien. Oui. Donc, ouais, tu parles fluidement italien? Oui, quand même. On va arrêter de te présenter comme un ex-lofter. Merci beaucoup. On va te mettre le titre de comédien. C'est gentil. Parce que tu travailles fort. Oui. Mais on va quand même raconter un peu ton histoire parce que, aujourd'hui, ceux qui me connaissent un peu, et je te l'ai dit bien honnêtement, je suis pas très télé-réalité et encore moins participant, mais je trouve ça important de raconter ton histoire parce que tu as fait un cheminement, tu t'es servi de ça un peu comme un défi pour avancer dans la vie, autant professionnellement que personnellement, tu as fait beaucoup de changements. Fait que je voudrais qu'on parle de tout ça. Et tu t'impliques énormément avec Les Différents, qui est une équipe d'hockey. Tu es un comédien slash coach d'hockey. Slash coach, depuis, j'adore. Presque 10 ans. Oui, oui. Ouais. T'attends ta gang? Oui, là, les jeunes, ils commencent à arriver dans le fond, 6h30. On a des, on en a qui arrivent tôt, qui se préparent mentalement pour la pratique. D'autres qui arrivent avec le transport adapté, certains avec les parents, fait que c'est jamais... Normalement, vers 7h30. C'est vraiment entre 6h30 et 19h. Mais on commence à 19h. Il y en a qui arrivent à moins 2, fait que des fois, l'échauffement est déjà commencé. Louis, ton soufflet fonctionne? Ouais. Pardon, ouais. OK. On va parler en deuxième partie de l'émission, donc de ton implication qui est différente. Parfait. Mais on va commencer avec le début. Ben d'ailleurs, même avant Love Story, avais-tu un intérêt pour la télévision? J'ai toujours eu un certain intérêt pour la télé, mais disons que c'était plus un rêve d'enfant. Ouais. C'était pas quelque chose que je me concentrais là, vraiment sur ça. Mais et le Love, initialement, a vraiment été un trip.